Voilà, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour le compte de votre magazine Décryptage. Un nouveau numéro Décryptage après celui réalisé avec Francie, le seul rescapé de l'appareil de la MONUSCO qui s'est écrasé ici à Kinshasa il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Ce ne sera pas l'élection, pas la campagne non plus, mais nous allons parler santé en République démocratique du Congo avec un autre invité qui nous vient de Washington aux États-Unis. Lui, il s'appelle Khalil Gueye. Il est journaliste, mais également présentateur d'une émission célèbre, je dirais, à la Voix de l'Amérique, c'est ça? Vous travaillez également auprès de CNN. Absolument. Alors, vous êtes à Kinshasa depuis combien de temps? On a fait 20 jours aujourd'hui. Merci de me recevoir d'abord sur votre plateau. Nous avons fait 20 jours en RDC. Et nous avons pu nous déplacer à l'intérieur, à Kananga. Kananga, Lubumbashi également. Lubumbashi, Goma. Et back to Kinshasa. Voilà, vous êtes revenu à Kinshasa. Aujourd'hui, on va parler de votre projet, un projet qui s'intitule « Votre santé, votre avenir », qui est également une émission de La Voix de l'Amérique. Voulez-vous nous parler un tout petit peu de ce projet que vous venez de mettre en place ici, en République démocratique du Congo? Voilà, de votre... quoi s'agit-il exactement? Merci. La Voix de l'Amérique, dans une révolution, a créé cette émission qui s'appelle « Votre santé, votre avenir ». C'est une émission qui marque une première dans l'histoire de la radiodiffusion et de la télévision internationale. Nous avons, nous voyons un pays, une radio, qui conçoit une émission sur un sujet donné pour un pays donné, pour la RDC. Alors c'est la lutte contre le VIH en RDC. En RDC essentiellement. Essentiellement en RDC, mais il est écouté quand même, l'émission est quand même écoutée dans le monde. Mais l'objectif principal, c'est lutter contre le sida en RDC. Lutter contre le sida en République démocratique du Congo, ça vous l'aviez dit, radio, mais ce projet à Kinshasa, de quoi s'agit-il exactement? Pourquoi vous avez mis ce projet à Kinshasa? Quel est l'objectif poursuivi? Voilà, nous avons, je présente l'émission, je l'écris et je la présente toutes les semaines, et nous avons 10 correspondants qui nous envoient chaque semaine des reportages des différentes provinces. La Kisangani, le Lubumbashi, le Katanga, Bujimai, Kasai, Oriental, Kasai Occidental, avec Kananga, etc. Et ces reporters, chaque semaine, travaillent sur un sujet que je donne. Ils choisiront l'angle, ou en discuteront avec moi en tout cas, et me produisent ce reportage qui, ces reportages constituent le corps de l'émission. Et cette émission a aussi comme invité des experts congolais qui sont des spécialistes de la lutte. Ça peut être aussi des personnes qui vivent avec le virus. Donc cette émission roule depuis 6 mois maintenant. Alors nous avons décidé de venir sur place pour nous rendre compte exactement de la réalité de la lutte et justement de l'impact que l'émission peut avoir. Donc pendant que nous sommes arrivés, enfin quand nous sommes arrivés ici, nous avons travaillé sous deux angles. Deux angles, d'abord, le premier. D'abord, le premier, regrouper les journalistes qui s'intéressent à la question du sida et faire ce qu'on appelle un échange par rapport aux meilleures pratiques dans les métiers. Comment écrire un bon reportage de télévision, un bon reportage radio, ou un bon reportage de journal, ou encore un bon texte pour Internet, parce qu'il faut compter maintenant avec les plateformes des médias sociaux, et un texte qui pourra en tout cas changer, amener les gens à changer de comportement et amener les autorités à prendre des décisions importantes dans le cadre de la lutte. Et nous avons donc fait la formation de partout où nous avons été. À Kinshasa également. À Kinshasa, à Kananga, partout où nous avons été. En même temps, nous avons réalisé des émissions radio-télévisées que j'ai présentées moi-même dans des endroits sensibles, c'est-à-dire les lycées, les collèges, les écoles primaires et aussi, spécialement à Lubumbashi, nous avons fait une émission à la faculté, à l'université, devant les élèves journalistes. Parce que c'est un moyen pour nous d'intéresser ces journalistes en herbe, n'est-ce pas, au reportage sur la santé. Très bien, Khalil. Alors, autre question, c'est celle de savoir exactement les dernières informations que vous avez pu recueillir en matière de lutte contre le sida ou les efforts de lutte contre le sida en République démocratique du Congo, de manière très brève. Bon, en réalité, il y a beaucoup de problèmes, mais il y a l'espoir. Le taux général, c'est 3,12, je crois. Je parle sous le contrôle des experts congolais qui m'écoutent. Oui. Mais il y a aussi une espèce de nouvelle attitude des Congolais par rapport au VIH. Il y a une nouvelle compréhension de ce phénomène et une nouvelle décision de lutter
contre la maladie. Et parmi ces nouveaux phénomènes, nous avons la décision que certaines personnes vivant avec le VIH ont prise de contribuer ouvertement à la lutte. J'en ai eu. Ça veut dire quoi exactement? Et ces personnes viennent devant les journalistes pendant la formation. Les personnes vivant au VIH. Avec le VIH, c'est-à-dire des personnes qu'on appellerait qui ont la maladie, qui portent le virus. Je ne dirais pas qu'ils sont malades, parce que justement, ça faisait partie aussi de la les formation. PVV. C'est-à-dire que la formation, nous avions aussi amené les journalistes à comprendre les termes qu'il faut utiliser, parce qu'il ne faut pas discriminer en utilisant un mot qui n'est pas respectable ni respectueux par rapport à la personne. Par rapport au sujet, nous avons donc ces personnes ont décidé de venir ouvertement lutter contre la maladie en expliquant aux élèves, aux étudiants, à la télévision, devant nos caméras, devant nos micros, parler ouvertement de la maladie et c'est magnifique dans la lutte. Il y a ce premier problème. Le deuxième acte, c'est les docteurs, les experts congolais. Nous en avons rencontré le docteur Capend, le docteur Moyo, qui sont, il y en a d'autres dans les provinces qui sont d'éminents experts qui ont contribué aussi à la lutte en expliquant la maladie, en travaillant dans la prévention, en travaillant dans la prise en charge, parce que si la prévention est dépassée, une fois que la maladie est là, on ne peut plus parler de prévention, il faut maintenant parler de prise en charge. Et c'est là que nous parlons des antirétroviraux qui sont vraiment actuellement la seule chance dont disposent les personnes, les PVV, les personnes vivant avec le virus, pour justement faire face à la vie. On a rencontré des gens extraordinaires, des gens qui ont pu dire, qui disaient aux journalistes, je me porte mieux que vous, parce que j'ai des antirétroviraux. C'est des médicaments qui permettent de renforcer ce qu'on appelle les CD4, le système immunitaire, les globules blancs, qui sont en général attaqués par le virus. Une fois que le virus attaque les globules blancs, il diminue la force de défense que nous avons, et ainsi n'importe quelle petite maladie peut vous emporter. Oui. Donc, avec les antirétroviraux, on a vu des personnes vivant avec le VIH qui se portent comme vous et moi. Et aujourd'hui, malheureusement, on fait face à une espèce de crise parce que les bailleurs. Alors dites-moi exactement le constat fait sur place dans toutes les provinces où vous êtes passé, notamment à Kinshasa. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a véritablement un accès ou l'accès de ces antirétroviraux aux personnes vivant avec le VIH? Est-ce qu'il y a-t-il un succès? Il y a un assez succès. Facile. Absolument, il y a un succès. Il y a même les antirétroviraux, les personnes vivant avec le VIH qui se sont organisées en association, donc gérant la réception, le partage, la distribution des antirétroviraux. C'est vrai que c'est des médicaments chers, mais qui sont donnés gratuitement grâce aux bailleurs, qui sont nombreux. Le fonds qui s'occupe justement de ce programme que nous avons ici en RDC s'appelle le PEPFAR. C'est le fonds du président des États-Unis dans la lutte contre le sida. Mais avec le PEPFAR, nous avons d'autres bailleurs que sont l'ONU-SIDA, etc., l'OMS. Malheureusement, nous avons constaté depuis quelque temps que certains bailleurs se retirent. Se retirent pour des raisons qui ont été soit explicitées, soit incomprises. Mais la réalité est que nous sommes convaincus que ces bailleurs vont revenir très très prochainement. Alors, une autre question également, on a comme l'impression en République démocratique du Congo, les sujets portant à la lutte contre le sida est un sujet tabou, on n'en parle pas trop dans les écoles, l'utilisation de préservatifs, c'est le constat que vous avez fait également? Oui, mais il n'est pas seulement particulier au Congo, en général dans le monde entier, en Afrique et même aux États-Unis, c'est un sujet tabou, les gens pensent que c'est le désespoir. Alors voilà pourquoi j'ai été fortement impressionné par l'implication des personnes vivant avec le VIH qui viennent ouvertement et qui disent, voilà, je porte le virus, mais je me porte très bien. Alors, pendant notre tournée, nous avons pu échanger avec les étudiants, les élèves qui ont posé des questions directement à ces personnes. Des questions difficiles, parfois, mais qui ont toutes trouvé réponse auprès des personnes vivant avec le VIH. Alors, est-ce que vous les avez, comment vous les avez convaincus, ces personnes vivant avec le VIH, à se présenter par exemple en public et bien évidemment d'expliquer, d'évoquer ce problème alors qu'ils portent en eux ce virus? Comment les avez-vous convaincus? La tâche a été facile. En fait, ça n'a pas été facile ni difficile parce que je n'ai pas travaillé à la conviction de ces personnes pour les amener sur le plateau. Mais les experts qui travaillent régulièrement avec ces personnes, les ONG, les docteurs dont j'ai parlé il y a un instant, c'est des personnes qui
au fil des années, ont réussi à le convaincre qu'il fallait être là, expliquer. Donc, on n'a pas eu de problème. Partout où nous avons été, nous avons eu des personnes. On s'est même bousculé à Lubumbashi. Il y a des personnes vivant à l'VIH qui voulaient être là aussi. Malheureusement, le plateau était petit et on avait de la place que pour deux personnes. Donc, il n'y a pas eu de problème. Ce qui veut dire qu'au Congo, on a une meilleure compréhension de la maladie et qu'on est prêt à mieux se battre contre cette maladie. Et ça, c'est un avancement. Très bien, Khalil. Alors, une autre question également, Khalil. Vous avez choisi quelques provinces, notamment la République démocratique du Congo. Vous étiez au Nord Kivu, à Goma. Vous êtes également à Kananga, au Kasaï occidental. Mais on dit que la République démocratique du Congo est un pays entouré de pays qui a un taux de prévalence très élevé. C'est ça le constat que vous avez fait. Pourquoi n'avoir pas étendu ce projet également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Voilà, justement, c'était une première visite. Nous allons continuer et nous allons bientôt avoir des correspondants qui vont nous envoyer des reportages de Mbandaka, de l'Équateur, du Maniema, de Kindu. Et nous allons essayer de faire une ceinture. La ceinture a commencé d'ailleurs à être confectionnée parce que partout où nous avons été, nous avons développé un réseau de journalistes congolais qui travaillent dans la lutte contre le VIH. On a commencé par Kinshasa. Bon, partout où nous avons été, on a eu le groupe de journalistes qui est venu à la formation, a adhéré au réseau. Ces réseaux, nous avons l'éclaté davantage pour qu'ils puissent ceinturer le pays. Parce qu'en réalité, vous avez parfaitement raison, le Congo est un grand pays avec 9 frontières, avec des pays, une frontière avec 9 pays. Exactement. Là, jusqu'en Zambie. Alors, si on travaille à l'intérieur, il faut aussi travailler à la ceinture. Exactement. Les camions qui partent au Rwanda, qui partent en Zambie, c'est... Ça constitue déjà un danger. Le déplacement. Le virus vient. Mais alors, ce qui se passe aussi, que j'ai remarqué à Lubumbashi, c'est ce groupe, cette espèce de petite organisation de jeunes Congolais qui ont décidé de faire de la prévention et de la sensibilisation dans les bus qui sortent du pays, qui voyagent. Et ça, je trouve que c'est une innovation extraordinaire. Alors, on dit également qu'il y a un déficit en termes de communication auprès de jeunes. Est-ce que vous l'avez également constaté? Je l'ai constaté exactement, en réalité. Et j'ai dit que le programme national de lutte contre le sida, qu'on appelle le PNMLS ici, est une merveilleuse idée, parce que c'est un programme qui regroupe de manière multisectorielle les différentes personnes qui peuvent intervenir dans la lutte. C'est un programme national. Hein. National, multisectoriel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs compétences qui se retrouvent. Oui. Maintenant, à mon avis, le PNMLS, quand il sera révisé, parce qu'il faut toujours réviser les programmes, il va falloir d'abord définir le PNMLS pour les Congolais, qu'ils comprennent que ce n'est pas une organisation qui a de l'argent, qui vit avec de l'argent, mais une organisation qui coordonne la lutte, premièrement. Deuxièmement, il faut absolument que les gens de télévision, comme vous, que les gens de radio, que les gens de presse écrite, les gens d'Internet, intègrent justement ce programme, parce que la communication est la clé dans la lutte contre le VIH. Si ces gens intègrent le PNMLS, le board, l'administration du PNMLS, on pourra travailler sur une meilleure sensibilisation. Aujourd'hui, la sensibilisation qui se fait en matière de lutte contre le sida reste encore à perfectionner, parce que au Congo parce que il y a pas on sent pas une agression dans la conception au départ. À la base, la conception est pour de meilleurs résultats. Il va falloir qu'il y ait des spécialistes de la communication à l'intérieur pour travailler avec les experts qui sont experts en médecine ou bien qui sont personnes vivant avec le VIH, mais en tout cas qui sont des personnes qui donnent l'information à des spécialistes de la communication qui travailleront sur un bon message. Très bien, Khalil. Votre émission, votre projet qui s'intitule, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, Votre santé, votre avenir, qui est également une émission de La Voix de l'Amérique. Est-ce que vos actions sont-elles coordonnées avec le PNMLS, vos travaux en coordination? Oui. Par exemple, ici, nous avons une journaliste qui travaille avec nous, qui s'appelle Chouchou Kawa, qui est une journaliste de la télévision ici, en RDC, et qui coordonne, justement, ce projet en RDC. Et nous, à travers elle, nous rencontrons les experts, nous les connaissons presque tous, le docteur Capin, tous ces docteurs qui sont des spécialistes, qui travaillent dans la lutte, et ce sont ces personnes qui nous parlent dans l'émission. Et donc, le PNMLS est l'un de nos premiers, de nos meilleurs partenaires dans la lutte contre le sida en RDC. Alors, quels sont les obstacles que vous avez rencontrés dans le cadre de votre projet présentement ici à Kinshasa et dans les provinces que vous avez visitées? Des obstacles, presque pas, parce que je peux dire que ça s'est très très bien passé. On a été bien reçus et
on a pu faire ce qu'on avait à faire. Et les journalistes qui sont venus, qui ont discuté avec moi pendant la formation, ont pu sortir de la salle avec une nouvelle conception du reportage scientifique, du reportage sur la santé. Par exemple, l'essentiel, comme vous le savez, c'est votre métier, c'est d'avoir la source. Alors, les deux sources que j'ai présentées partout où j'étais, c'était d'abord la personne qui vit avec le virus et le docteur. Le journaliste, maintenant, est en face de ces deux personnes qui sont les sources. Il faut d'abord amener les gens à comprendre que quand on vit dans une société comme, prenons la société de Kinshasa, on est journaliste ici, on doit écrire sur le sida. Nous ne sommes pas des spécialistes. Nous sommes des journalistes. Oui. Nous sommes des courroies de transmission entre les pouvoirs et le public. Nous devons aller voir les spécialistes, leur poser des questions, prendre les mots techniques lourds, compliqués qu'ils utilisent et les rendre digestes dans un reportage télévisé, radio ou presse écrite pour la population. Alors on a pris ces petites techniques et je crois que ça s'est très bien passé, que les journalistes ont une nouvelle attitude maintenant par rapport au traitement de l'information sur le sida. Alors est-ce que les comportements également de gens sont-ils de nature à être changés ? Oui, absolument, parce que nous avons parlé d'un point extrêmement important dans ce tournée, la stigmatisation. J'ai suivi tout de suite le journal télévisé sur Télé 50 et j'ai vu qu'on parlait de la loi sur la protection, la défense des droits des PVV. Une personne qui vit avec le virus est une personne qui a droit au mariage, qui a droit à être traitée, droit au mariage. Quel genre de mariage ? Et elle peut se marier. Elle peut se marier, il y a plusieurs formes de mariage. Elle peut même avoir, si c'est une femme, elle peut, si elle est porteuse du virus, elle peut avoir un enfant avec une personne qui n'a pas... Mais on sent quand même que la communauté les rejette, ce sont des personnes... Oui, mais justement, c'est ça le problème. Alors, nous avons travaillé sur la stigmatisation. Parce que stigmatiser quelqu'un, c'est le montrer du doigt. Si lui, il a la maladie, etc. Heureusement que le pays est allé en avance et qu'il y a une loi formidable qui défend ces personnes-là. Vous n'êtes pas... Vous voulez travailler, on vous dit, oui, mais puisque vous avez le virus, on ne vous prend pas. Non, ça, vous avez le droit de porter plainte. Et je crois même qu'il y a des peines qui vont jusqu'à... Les personnes vivant avec le VIH ont également droit à l'emploi. Oui, ils ont tous les droits. Ils ont droit à l'emploi. Ils ont droit à l'emploi. Et ils ont le droit de porter plainte contre discrimination parce qu'elles sont stigmatisées parce qu'elles portent le virus. Et la loi même, je connais ce pays, va jusqu'à 10 ans de prison pour la discrimination. Très bien, Kélie. Alors, quel sera exactement le rapport que vous allez faire après avoir vu quand même il y a eu des efforts en matière de lutte contre le sida en République démocratique du Congo? Quel sera votre rapport de que vous serez aux États-Unis? Mon rapport est tout à fait positif. Je peux le dévoiler tout de suite. Il sera positif parce que j'ai vu comment aussi bien les autorités politiques, au niveau le plus haut de l'État, parce que ma correspondante ici à Kinshasa a posé la question il y a quelques temps au président de la République dans une conférence. La dernière conférence de presse que le président a accordée aux journalistes. Voilà, ça c'est aussi des choses que nous avons apprises aux journalistes, même quand vous êtes devant un élu ou quelqu'un qui va être élu. Mais ne lui posez pas la question, M. Tshisekedi a dit ceci ou bien M. Non, dites-lui, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour les personnes qui vivent avec le VIH? Alors, c'est ça le journalisme, en fait. Et la question directe. Directe, qui touche les populations directement, qui change. Les populations vulnérables. Et même toutes les populations. Il faut que la question ait un effet, que la réponse ait un effet sur ceux qui regardent la télévision. Alors, donc, ma correspondante a posé la question au président sur au moment où les bailleurs de fonds se retirent. Parce que dans un reportage que j'ai diffusé à Washington, il y a une femme qui lui disait « Nous allons être abandonnés d'ici 2012, on ne sait pas où on va. » Alors le président a répondu en disant « Nous sommes en train d'y penser et le Sénat va se pencher dessus pour un budget, pour qu'on augmente le budget et qu'on... » Les budgets des États-Unis, rien que pour les personnes vivant ici. Ici. Le président ici. Oui, oui. Le président de la RDC. Oui. Augmenter le budget pour lutter contre le VIH. Et nous sommes allés plus loin. Parce que si le président montre une volonté au niveau le plus haut de l'État, pour lutter contre le sida. C'est une magnifique... La volonté du président quand même manifeste. C'est une magnifique affaire. Alors, on peut aller plus loin. On peut chercher. Et les journalistes ont cherché. On peut, par exemple, taxer l'alcool, taxer les minerais, taxer, retirer l'argent et mener la lutte. Parce que la lutte est bien menée actuellement à RDC. C'est ça qui est positif dans cette affaire-là. Très bien, Khalil. Une autre question également, c'est un problème. C'est un problème de dépistage. Il y a quand même une réticence de gens à aller volontairement se dépister. Je crois que vous l'avez constaté. Alors, que faut-il faire exactement? Est-ce que vous n'avez pas prouvé un genre de programme dans le sens d'amener les gens au dépistage? Effectivement, le PEPFAR, le fonds du président des États-Unis qui supporte
la lutte contre le sida à travers plusieurs aspects, hein, plusieurs programmes ici, a décidé de travailler et donner aux Congolais le maximum d'informations par rapport au VIH, par rapport à la lutte. C'est ainsi que le dépistage volontaire est aussi un des aspects magistraux de ce programme. Et pour que les gens aillent se faire dépister, il faut une communication. Il faut leur expliquer que le dépistage, d'abord, doit être volontaire. On ne peut pas forcer les gens à se dépister. Une communication, je dirais, persuasive. Persuasive. Il faut que les gens puissent comprendre qu'on peut se dépister, on peut se faire dépister. Quand on trouve qu'on a le virus, on peut aller se faire traiter. Et aussi, prendre des antirétroviraux. Les antirétroviraux, c'est quoi? C'est des médicaments qui rendent faible le virus. Vous pouvez vivre 25-30 ans avec les antirétroviraux. En attendant que la science évolue vers un vaccin, et nous avons vu récemment qu'ils sont en train de tester un vaccin au Mozambique, en Italie et en Espagne. Et ce vaccin est un vaccin candidat qui a qui donne beaucoup d'espoir à l'humanité. Très bien. Alors, dernière question, puisque nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous savez, un mot de la fin? Par rapport à ce projet, auquel je souhaite d'ailleurs meilleur succès. Merci. Le mot de la fin par rapport au projet, c'est juste que nous allons renforcer justement notre présence dans la lutte contre le sida ici, avec la radio et la télévision. Et nous allons renforcer les moyens des experts qui luttent. Ils ont renforcé l'espoir aussi des personnes qui ont le VIH. Et aussi, ils ont encouragé les gens, par la radio et par la télévision, à aller se faire dépister et à comprendre que c'était une maladie comme toutes les autres. En tout cas, Khalil, vous allez quitter Kinshasa avec une meilleure expérience partagée avec les Congolais et les personnes vivant avec le VIH. Et j'ai beaucoup appris aussi. Alors, à Kinshasa, combien de journalistes exactement ont bénéficié de cette formation? Il y avait une vingtaine de journalistes dans la salle pour une journée. Et j'ai appris qu'il y en a d'autres qui sont venus rejoindre le réseau qu'on a monté ici et que peut-être dans 2 semaines, on aura le réseau complet et on pourra ceinturer pour travailler efficacement en journalisme dans la lutte contre le sida. Très bien, Khalil Gueye, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle, vous êtes journaliste de La Voix de l'Amérique, également vous travaillez pour le compte de CNN aux États-Unis. Vous êtes à Kinshasa dans le cadre de ce projet Votre Santé, Votre Avenir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Le prochain rendez-vous, c'est sur votre chaîne. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.